Maintenant, excusez-moi, il faut que j'aille mettre un peu de galliner. Oh, c'est pas vrai, Lincoln, t'as encore bouché les toilettes. Je vais le dire à papa. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi? Peut-être parce que tu crées plus de bouchons qu'une usine de liège belge. Adieu, pain de viande dégoûtant. Je vais le dire à papa. Maman pourra pas me forcer à te porter si elle te trouve pas. Je vais le dire à papa. Est-ce que quelqu'un sait où sont mes CD? Je dois m'entraîner pour le karaoké de ce soir. La 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 la. Je vais le dire à papa. C'est vrai, mais cette fois-ci, c'est vraiment pas moi. Je vous le jure. Voilà ce qui occupe mon samedi. Oublie cette ventouse minable, papa. Ça, c'est le méga déboucheur 5. Tu vas avoir besoin de la grosse Bertha. Bien, monsieur, je jette mes CD dans les toilettes. Je suppose que c'est ton œuvre. Non, papa, je te jure, j'y suis pour rien. Alors, qui a fait ça? Les toilettes se sont pas bouchées toutes seules. Tant que le coupable ne se dénonce pas, vous êtes tous punis. Mais papa, je peux pas être puni. La convention commence dans quelques heures et je dois faire signer ma BD de Ace Levy. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, vous ferez tous de la préventive. Grosse Bertha entre en action. Très bien, je refuse de payer pour ce crime. Je vais trouver le véritable boucheur de toilettes, comme le ferait Ace Sevy. Crotte. C'est sûrement tentacule. C'est gentil de te dévouer, Lincoln. Vous avez vu? Puisque Tentacule est dans les tuyaux, il suffit de l'attirer dans les toilettes et de tirer la chasse. Tiens, prends ça. Quand tu seras en possession, tire sur la ficelle et zette-le. Oh, Lincoln, tu es si courageux. Oh, y a pas la queue pour la salle de bain. Chouette. Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? Tu m'as réveillé. Mais regarde, la salle de bain est dégoûtante. T'as raison, petit frère, faut faire quelque chose. On n'a qu'à la nettoyer. Si on commençait par les toilettes. La tête dans les toilettes, ça réveille. Alors, ça roule, Schlinger? Oh, ça va, relève-toi. Léon, tu veux me faire un bisou magique pour que ça aille mieux? Laisse tomber, je crois que j'y suis. Je te tiens. Fou. Merci, Lucie. Lincoln, tout va bien? Ouais, Clyde. Comme sur des roulettes. Un plombier ne compte pas ses heures, surtout dans cette demeure. On a fait appel à moi pour arriver à déboucher ça. Et quand la vie prend l'eau, je chante dans tous les tons. Et les banques dans les tuyaux, c'est mon genre de chanson. Génial ta chanson, Lana. Quoi? Quelle chanson? Celle que tu viens de chanter. C'est quoi ce délire? J'ai rien chanté du tout. Par contre, notre ami était bouché, mais heureusement, je connais la chanson. C'est bon, j'ai la lumière tamisée, les fleurs, c'est l'heure du selfie miroir. Carrément un classique. Oh, c'est fait. Lana, mais qu'est-ce que tu fais? J'installe une chasse d'eau double valve. Fiche le camp! Je croyais que toi, plus que les autres, t'apprécierais les toilettes à pression assistée. File! C'est pas avec ça que je vais battre Carole. J'efface. Quelqu'un s'est encore retrouvé enfermé dans la salle de bain. Aidez-moi à sortir de là! Bobby doit venir à la maison et j'ai plus que 3 heures pour me préparer. Cette maison est littéralement en train de tomber en ruine. Laurie a raison, avec 11 enfants, 4 animaux et 2 parents qui tiennent absolument à tout réparer eux-mêmes, notre maison est dans un état, comment dire ça gentiment, désastreux. Il y a les problèmes de pression d'eau. Bon, je vais prendre de l'eau dans la gamelle de Charles. Lana, tu n'as donc aucune dignité.
C'est urgent, c'est urgent. Frappe, frappe, frappe à la porte des toilettes. Si c'est urgent. Oh, oh, j'en peux plus. Non, mon nom se grinche, toi d'abord. Oh, mais ma chérie, tu es la première dans mon cœur. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est toi d'abord, mon petit sucre d'or. Dites, je peux passer devant ou... Céline qui gagne la course. Hey, Kira! En fait, j'ai besoin de ça. Personne n'est encore venu dans la salle de bain, donc j'imagine qu'il y a une farce qui nous attend quelque part. Parfait. Maintenant, détache-moi. Désolée, j'attends encore mon jus de fruits. C'est risqué, tu comprends. Tu veux que je démasque le vrai farceur, oui ou non? Bon, d'accord, je te détache. Sors de la salle de bain, Charles, c'est dangereux. J'ai quelque chose. Mais... Alors, tu vois qui ça pourrait être? Non, mais c'est quelqu'un qui est très fort. Il n'a laissé aucune trace derrière lui. Viens, continuons nos recherches. Quoi? Maintenant, le garçon des burgers et le garçon des smoothies s'amusent sans toi? Lenny, est-ce que t'es encore là-dedans? Mon frère a vraiment envie de faire pipi. Et désolée, je sors tout de suite. Je me lave les mains. Je suis vraiment désolée, les amis, il faut que je raccroche. Oh, je suppose que tes amis sont plus importants que ma vie. Fiona, c'est pas ça du tout. Oh, c'est pas vrai, tu parles à tes autres amis, c'est bien ça? Je vais tout nettoyer. Te dérange pas, Mandy va m'aider. On veut pas te faire perdre ton temps. Oui, et nous non plus. C'est journée tâche ménagère chez les Loud. Et mon job à moi, c'est de sortir les poubelles. Dans une aussi grande famille que la mienne, c'est pas les corvées qui manquent. Mais on s'en sort, parce que tout le monde fait sa part. Corvée accomplie. Ouais, enfin, à part peut-être Lenny. Phase 3, code, chasse d'eau. C'est parti. Et comme prévu, voilà l'eau. Frida, ce livre sur l'histoire des parcs aquatiques est fascinant. J'ai vraiment l'impression d'y être. Arrête, tu en rajoutes. Aïe, aïe, aïe! Fais vite, maman! On approche d'une cascade! Aïe, Miss Bébès! Ne craignez rien! T'en as pour longtemps dans la salle de bain? T'en as pour longtemps dans la salle de bain? Non, mais sérieux, Luan, tu m'éclates! Bon, réunion familiale, amenez-vous! Et que ça saute! Je vois ce que vous essayez de faire et je vous le dis tout net, ça marchera pas. L'humour, c'est fini pour moi. Oh, l'humour, c'est fini pour moi. Elle est bien bonne, Luan. Lenny, tu le fais exprès ou t'es toc-toc? Qui est là? Alors, Luna, ça se passe bien, ce job? Pas vraiment. Je m'en sors pas, mais alors pas du tout, Mick. J'ai encore rien fait de ce que j'étais censée faire et les McBride vont arriver dans à peine quelques heures. Va falloir mettre le turbo, sinon adieu les sous et adieu le concert avec Sam. Oh, Sam! Elle est super douée avec les chats. Merci, Mick. Ah, doucement, petite, fais pas ça. On peut discuter avant. Ah! Où est la serviette? Pour sa toilette, rien de tel qu'un raton laveur. Monsieur Nakamura, que faites-vous chez nous? Mes toilettes ne marchent plus, pitié, à l'aide, je n'en peux plus, je vais exploser. Ne vous en faites pas, Hector va les réparer. Moi? Pourquoi c'est à moi de faire ça? Parce que mes tacos rouges que tu m'as demandé de vendre sont une mine d'or, tu te souviens? Je me moque,
adulte qui le fera, mais c'est urgent. C'est facile de réparer des toilettes. C'était une semaine vraiment cool. L'école à la maison, l'école à la maison, l'école à la maison. C'était génial, mais il faudrait qu'on pense à faire nos devoirs demain. C'est vrai, on a promis à maman qu'on ferait notre travail. D'un autre côté, demain c'est vendredi, donc c'est déjà presque le week-end. On n'a qu'à attendre lundi pour prendre un nouveau départ. Bien vu, Frangine. Qu'est-ce que vous avez encore à brailler? Vous devriez déjà être au lit. Je vous rappelle qu'on a un contrôle demain matin à 8h. Un contrôle? Quel contrôle? Ah, l'école à la maison, ça marche comme ça. On a un contrôle tous les vendredis pour vérifier qu'on a étudié au lieu de se la couler douce toute la semaine. Quoi? Mais pourquoi personne ne nous a rien dit? Allô, c'est écrit page 2 du cahier d'exercice. Oh! Quoi? C'était sur la page 2, donc c'est pas étonnant qu'on ait rien vu. Mais si on réussit pas, ça veut dire... Ouais, retour à l'école normale. Bon, les filles, vous allez partager ce billet, fin de la discussion. C'est pas comme ça qu'on partage l'argent. Cette sauce tomate devrait faire partir l'odeur. Oh. Non, ne t'approche pas de ma sœur. Ah ah, les gars, il y a un petit souci avec la douche. Je m'en occupe, Frangine. Je n'ai jamais bricolé ce genre de modèle, mais je suis sûre de pouvoir arranger ça. Waouh, Lana, c'est incroyable! Voici ma carte, la pub est appréciée. Ah! Lincoln finira par passer aux toilettes et le moment venu, il va avoir une sacrée surprise. Du papier de verre en guise de papier toilette. Ça y est, j'ai échangé le dentifrice. Oups, j'en ai plein les mains. Sid, non! Encore un point de moins! Oh mince, Ronnie-Anne, je suis vraiment désolée. Laisse-moi nettoyer. Ouvre ton bec, garçon aigle, c'est l'heure de manger. Peut-être qu'elle voulait vraiment dire Beagle. Tu veux un petit peu de pâté de dinde en sauce? Ça suffit maintenant, Lily. Va t'asseoir sur le pot, d'accord? Si t'es sage, je te donnerai un cookie. Voilà, c'est qui c'est va ça, avoir un chérie. Bon petit cookie si elle fait pipi? Peur. T'es gentil, mon trésor. Maintenant, tu vas... Oh! Ah non, Lily, c'est pas bien de jeter les... C'est facile d'utiliser le pot, Lily. Regarde faire papa. Oh, super. Maintenant, je suis coincé. Rita, aide-moi. J'ai l'impression que tu as apprécié ton bain. Ouais, ça vaut le coup d'être propre pour voir à quel point l'eau est marron. Mais la cerise sur le gâteau, c'est ça. C'était dans les canalisations. Je peux le garder? Bien sûr. Lola, faut que je te présente mon nouvel ami, Poilu. Je pouvais pas avouer à nos sœurs que j'aime bien lire Princesse Poney. Tu sais comment elles sont. Elles se seraient moquées de moi jusqu'à la fin de ma vie. Alors pourquoi est-ce que tu le lis, ce livre? Parce que j'ai besoin de me couper des ténèbres de temps en temps. Alors pourquoi il a fini au fond des toilettes? La salle de bain était le seul endroit où je pouvais lire discrètement. Je me faisais une séance de lecture hier soir et quand j'ai entendu quelqu'un arriver, j'ai paniqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon frère, si tu as des objets de valeur à protéger, tu peux les stocker dans la chambre forte. Pourquoi? C'est la salle de bain, la chambre forte? À cause des caméras que j'ai installées l'année dernière. T'as installé des caméras? Non. Je crois que c'est l'endroit idéal pour évacuer nos affaires. T'as compris? Waouh, chérie, tu vas m'enfermer là-dedans avec compte chair de poule? Oh, je t'en prie, c'est Edwin qui est le plus à plaindre dans cette histoire. Sancho, où est-ce que tu es? Oh, Sancho, ce n'est pas le moment de prendre un bain dans les WC. Oh, pardon, Sergio. J'ai presque terminé. Oh, bon, d'accord, j'attends dans le couloir.
Sancho. Ah, oh, mon sang. C'est quoi cette serviette bizarre avec des paillettes dessus? Ça s'appelle une robe, Lana. Bouge pas, je vais apporter ma touche magique. Oh, c'est quoi cette odeur de paix à la fraise? Oh, salut Lola. J'adore utiliser ta laque comme déodorant. Ça couvre bien l'odeur de transpiration sous les bras. Tu peux m'aider, j'ai les bras collés. Attention, ça risque de tirer un petit peu. T'es prêt? J'aime beaucoup nos promenades nocturnes, Vamps. Waouh, c'est vraiment trop beau! On devrait carrément devenir architecte d'intérieur. Salut. Oh, pourquoi vous repeignez la salle de bain avec la couleur que j'aime le moins? Sans blague, on a tous voté pour à la réunion de la fratrie, tu te souviens? Alors, vu la peinture qui traîne dans le garage, nos options sont rose ou noir. Qui vote pour le rose? Moi! Oh, chouette! On est tous d'accord, ce sera le rose! L'enfer. J'étais pas là, mais bien sûr, comme d'habitude, personne n'a rien vu. Oh, c'est bon! T'exagères pas un petit peu? Oups! Désolée, je t'avais pas vu. Ça, c'est bien. Wow, drôlement sympa, ce petit coin. Pour un peu, je resterai toute l'après-midi là-dedans. Oh, pardon, j'ai oublié le panneau. Attention, sol glissant. Du fromage fondu. Oh, pas mauvais, dis donc. On se bouge. Tu vas transpirer et éliminer ce bouton. Tu penses que ça va fonctionner? C'est le cousin de Margot qui m'a conseillé cette technique, alors je le crois. Attends, le cousin de Margot a aussi dit que les Jaguars allaient gagner le championnat cette année, mais ils se sont fait éclater. Ouais, désolé. Oh là là, Clyde, il faut que tu vois ça. Regarde. Oh là là, un vaisseau spatial. Je me demande comment on tire la chasse. Je crois que c'est cette poignée. Ah, au secours, le vaisseau spatial m'a attrapé. Je te tiens, c'est bon. Le vaisseau a avalé ma chaussure. Ça t'ennuie pas qu'on entre une minute? Il faut que j'aille aux toilettes. Je sais que normalement il faut consommer, mais là c'est une urgence. C'est la fin du monde, Clyde. Le règlement, c'est de l'histoire ancienne. Ah, ici aussi on dirait que les gens ont décarpi en vitesse. Peut-être parce que les zombies les attaquaient. Clyde. Les zombies. Bon, tant pis, je ferai pipi plus tard. Rappelle-toi ce que le colonel Austin a dit. À défaut de pouvoir les arrêter, on peut ralentir leur progression. Lincoln, McCloud. Eh ben dis donc, je me souvenais pas que la vraie vie était aussi difficile. Mélie, je suis désolée. Il faut pas, Lola. C'est dégoûtant par terre. Non, moi, je suis dégoûtante. Je devais t'aider à t'intégrer, mais au lieu de trouver le meilleur moyen d'y arriver, je t'ai raconté un tas de bêtises qui ne sont valables que pour moi. Tout ça pour remplir les conditions d'admission à un concours de beauté. Oh, je vois. Et alors, tu as gagné? Moi, j'ai abandonné. Je méritais pas d'avoir la couronne. Et je voulais pas que tu passes un mauvais moment à l'Actoland. Parce que normalement, ici, on s'amuse bien. Tu veux pas qu'on sorte? On pourrait manger une pomme d'amour? Oui, je veux bien. Avant, il faut que je te donne ça. Oh, ma couleur préférée! Bon, allez, 2 minutes, pas plus. Je me douche, je me lave les dents et je fais une lessive. Go! Loupé. Bon, la porte des toilettes est cassée et je peux plus sortir. Oh, tiens bon, je vais chercher Flip. Oh, elle est un peu capricieuse, mais il suffit de savoir comment lui parler. Oh, bon sang, vous me devrez une poignée de porte.
Ça va aller, mon ours grincheux, les pompiers sont en route. Oh, j'espère qu'ils vont arriver bientôt. Tu sais que je panique rapidement dans les espaces confinés. T'inquiète pas, je bouge pas d'ici. Je reste au téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oh, merci, bébé. De quoi on pourrait parler? Je peux te raconter le truc marrant qui m'est arrivé en maths. Ah ouais, je veux trop entendre cette anecdote. Ah, et l'autre jour, pour le dîner, mon père a cuisiné du cabillaud. Cool, genre il l'a fait en poisson pané ou en filet. Dis-moi, tu préfères arrêter complètement le fromage ou les desserts? Oh là là, pas facile. Ah, et c'est trop dur, hein. Et qu'est-ce que tu fais des cheesecakes? C'est trop agréable. Et tellement facile. Qu'est-ce qu'on trouvait si difficile déjà? J'en ai aucune idée. La seule discussion embarrassante qu'on a eue m'a fait flipper. Moi aussi. Peut-être qu'on a essayé de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Enfin, on sait qu'on est amoureux, non? Bien sûr. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh, mon ours crache.